comme ceci. Alors 3€, pareil. 3€ ça? Oui, on en parle. Et si tu vas à la maison du monde, des trucs comme ça pour 30 balles. Et là, j'ai eu pour 4€. Just going home, have a late late show. Hello tout le monde, aujourd'hui on est... quel jour ? Mercredi, et on va partir faire les courses pour ma nouvelle chambre, donc je vais vous montrer ça juste après. Re tout le monde, donc là je suis rentrée de mon shopping, donc on est allé à Action et à Top Déco. Et je voulais vous montrer ce qu'on avait acheté, donc je me suis mis un peu en mode balèque sur mon lit. J'espère que le cadre ne vous dérange pas, que ma peau blanche ne vous dérange pas, mais vraiment, écoutez, j'ai pas bronzé. Hein. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour ma nouvelle chambre. Je sais pas si je vous ferai un room tour, peut-être, mais je veux vraiment faire un quand tout sera ficelé, enfin quand ce sera trop beau. Voilà, j'ai une passion pour la déco, j'ai refait ma chambre, mon ancienne chambre il n'y a pas du tout longtemps, j'ai jamais pu vous faire, enfin j'avais fait un rond tour il y a hyper longtemps mais j'en ai pas fait un récemment, enfin juste avant de déménager dans ma nouvelle chambre, c'est dommage parce qu'elle était trop belle mais bon. Premier truc que j'ai acheté chez Action, je crois vers 3€, c'est juste un truc pour mettre du savon, voilà. Il est super beau, enfin j'adore, voilà c'est hyper simple donc c'est bon. Ensuite, j'ai acheté une poubelle noire à genre 3€, pareil, 3€ ça, mais on en parle. Chez Action, c'est une poubelle en acier noir de bureau. Elle est hyper simple, mais super grande. Enfin voilà, donc c'est pratique. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc c'est un rideau, tout simple, pour mettre devant mon armoire. Un rideau noir, voilà. Et je l'ai acheté chez Top Déco. Top Déco, donc à 9€. Top Déco, c'est juste ouf. Vraiment, allez-y pour avoir des inspirations. Tenue, enfin de déco parce que vraiment les décos sont magnifiques, il y avait tout un délire un peu jungle, cactus et tout, enfin bref c'était super super beau, après c'est super cher, c'est un truc pas cher qu'on a trouvé mais il y a tellement de trucs que je voulais prendre mais voilà, enfin bon j'ai pas la monnaie hein. J'ai acheté un petit truc, j'ai trouvé ça super original, je vais enlever le plastique pour vous montrer. Ah il est un peu abîmé ici. Donc je l'ai acheté chez Action. En fait c'est une sorte de cadre. J'espère qu'il marche. Ah il est un peu abîmé. Ah merde. Ouais par contre ce genre de magasin c'est toujours abîmé. Enfin les articles sont pas clean et tout. Mais bon c'est tellement pas cher. Hop. Donc c'est un cadre comme ça. Limite j'ai envie de laisser les décos parce qu'elles sont trop belles. Vers Kakuna Matata et tout. Et voilà, il est hyper simple et en fait il se met comme ça, donc je sais pas encore où je vais le mettre, j'ai pas beaucoup de place, mais je le trouvais super joli et ça change vraiment des cadres originaux. Ensuite j'ai acheté un panier à linge, voilà, noir, très grand. J'aime trop le noir basique comme ça, mat. Et franchement ça pareil, je l'avais eu chez Action et si tu vas à la Maison du Monde, des trucs comme ça, ça pour 30 balles et là j'ai eu pour 4€. Donc ensuite une petite poubelle, j'en ai voulu une deuxième, mat, pareil. Et franchement avant Action ça paraissait trop de mauvaise qualité et là vraiment celles-là elles sont de qualité, on a l'impression. Enfin elles font beaucoup plus mode et beaucoup plus design que leurs anciens articles. Donc meilleur truc vraiment, je suis trop contente. Oups, et c'est le truc le plus cher aussi. En gros j'ai acheté ça. Alors, comme ceci. C'est une grande plaque de bois avec les pays dessinés. Donc je vous montre. Bon, juste elle pue, mais en fait, on dirait que c'est fait à la peinture, comme si c'était moi qui l'avais fait. Donc il y a plein d'imperfections par contre. Et c'est pas du tout parfait. Il y a des endroits où c'est un peu jaune, des endroits où il y a des traces noires et tout. Mais c'est pour ça que je trouve que ça donne un look vintage. Et comme j'ai des murs blancs dans ma nouvelle chambre, enfin je voulais pas garder mon ancienne carte du monde blanche. Que je vous avais déjà montré à gratter parce que ça fait blanc sur blanc et tout, et donc ça hop c'est magnifique, voilà je suis trop fan. Contre j'ai payé ça 14€, c'est le truc le plus cher de ce haul, donc voilà c'est tout ce que j'ai acheté, mais vraiment allez, enfin si vous cherchez des décos allez chez Action, allez chez Top Déco.
Donc là, je vais finir un montage. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps. Et ensuite, je vais, je pense, écrire sur un carnet tous mes objectifs pour le mois, pour l'année et tout. J'adore faire ça. Depuis quelques mois, en fait, j'imprime des sortes de to-do list et je les écris et je les placarde au mur. Et ça me permet vraiment de visualiser un peu. Genre, je sais pas si vous comprenez. Si vous voulez plus d'explications, allez voir le dernier vlog de Lena Situation. Je trouve qu'elle explique bien. Mais voilà, j'ai jamais fait. Enfin, ça fait vraiment plusieurs années que je fais ça, décorer mes agendas pour visualiser tout. Donc, c'est pas. Je copie pas sur les autres youtubeuses. C'est vraiment un truc que je fais. Et je vous conseille carrément de le faire parce que quand t'écris tes objectifs, ça donne plus envie de les réaliser. Bref, je vous laisse. Là, je suis en train de regarder la vidéo de Sullivan. Genre, avant, j'aimais pas du tout ce genre de youtubeur, le gang là, Sullivan, Antonin et tout. Mais je sais pas, maintenant, ça me relaxe carrément parce que j'adore les vidéos hyper bien travaillées. Hein. C'est trop mon goal de faire des vidéos comme ça et tout. Mais eux, leurs vidéos, juste, ils parlent juste bien parce que je sais pas, je fais autre chose à la fois, je suis pas obligée de me concentrer pour regarder les belles images et tout. Non, j'écoute juste et en plus, je trouve qu'ils sont assez simple. C'était une génération qui de base était assez surjouée, un peu trop américain pour certains. En fait maintenant je trouve qu'ils sont hyper... ils ont l'air vraiment beaucoup plus sincères qu'avant. Enfin je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup leurs vidéos. Après je suis pas une groupie ou quoi, genre ils ont mon âge, c'est peut-être aussi pour ça que... Ok, donc en fait je vous explique ce que j'ai fait. Voilà. Donc là par exemple j'ai un grand carnet. Ah merde, c'est tombé. Donc j'ai un grand carnet, il faudrait que je le décore. Je l'utilise depuis l'année dernière environ, donc c'est vraiment moche dedans. Enfin j'ai aucune... Enfin, vous voyez c'est pas du tout esthétique, mais j'écris par exemple, j'avais écrit des films que je voulais voir, mais d'ailleurs il y en a plein que j'ai pas vus. J'avais écrit mes bonnes adresses à Rouen si je voulais faire une vidéo sur ça. J'avais écrit toutes les vidéos que j'allais faire en avril, en mai. Ensuite pour juin, comme c'était les révisions, j'avais fait un planning avec marqué chaque jour ce que je devais réviser. Ensuite pour avant l'été j'avais fait une to-do list, donc en fait je colle tout, enfin j'essaie de tout coller pour après m'en souvenir. Et là par exemple j'ai collé une petite image donc, de flamant rose, voilà. Et j'ai fait une petite to-do list pour la semaine, genre je vous donne quelques idées. Enfin par exemple j'ai mis fallait que j'imprime des photos, que je m'inscrive au code, que je fasse du sport, que je valide mon BAFA, enfin mon stage sportif, enfin bref. C'est pas un truc tout con comme ça, mais genre c'est super pratique de les écrire parce que comme ça t'oublies pas, surtout quand t'es pas organisé comme moi. Et derrière, je sais pas si vous voyez, donc j'ai gardé mon truc de déco. Donc j'ai gardé la petite phrase Hakuna Matata parce que je kiffe cette idée de genre voir la vie belle, enfin bref. Ensuite j'ai laissé ça et là j'ai mis la to-do list de septembre, donc avec tous mes objectifs de septembre, et c'est genre hyper important parce que comme ça à la fin de septembre je vais pouvoir voir ce dont, enfin ce que j'ai réalisé ou pas. Donc voilà, genre je sais pas si ça vous aide que je vous montre mon organisation, mais j'aime bien. Et j'ai aussi fait une to-do list pour l'année, donc là c'est des objectifs beaucoup plus larges. Ça va jusqu'au bac, jusqu'au voyage que je veux faire, jusqu'au projet genre professionnel que je veux faire, enfin bref. Je trouve ça important parce que comme ça dans un an je pourrais regarder cette liste et me demander si j'ai fait tous mes objectifs. Voilà. Mamie, j'ai imprimé plein d'images qui m'inspirent, j'ai fait un collage avec Word, genre le truc le plus simple possible, donc je vous montre. Genre c'est un peu mon inspiration pour cette année, comme aller à Santorin, avoir ce corps, même si je l'aurais jamais vu, mais c'est Pops Tanto, je sais pas si vous voyez qui c'est. Elle est trop bien foutue cette fille. Mais bon c'est inatteignable mais c'est pas grave, genre. Des trucs que j'aime, genre la bouffe pâtissier, mais aussi de la bouffe pâtissier, Lisbonne, parce que c'est vraiment ma ville que j'aime trop. Le petit logo de YouTube, voilà, en rose, bref, j'adore, je trouve ça trop mignon. Hello la Mif, on est le lendemain et je vais clôturer le vlog parce que franchement aujourd'hui je fais rien d'intéressant, je vais surtout chez le médecin. Et en fait, bon voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bye la Mif.